La nappe de Beauce, elle se trouve entre la Loire, la Seine, le Loing et le Loir. Et c'est là qu'on trouve la formation des calcaires de Beauce. À l'époque, il y a 20 millions d'années, le secteur de la Beauce était en fait un lac où se sont accumulés des sédiments qui, petit à petit, se sont accumulés et ont constitué ces fameux calcaires. On peut visualiser, imaginer qu'une nappe d'eau souterraine, bah, c'est un peu comme l'eau contenue dans une éponge. Ça peut être parce que la formation géologique, c'est des sables, et donc il y a une perméabilité, une porosité intrinsèque, où l'eau qui s'infiltre, les eaux de pluie, qui s'infiltrent dans le sol et qui vont jusqu'au sous-sol, bah, finalement occupent cette porosité, les vides entre les grains de sable. Ça peut être aussi les fissures, les fracturations, les fissures dans les roches telles les calcaires. La nappe de Beauce, qui est une des principales nappes d'eau souterraine au niveau français, tant par sa superficie que par le volume d'eau stockée, concerne deux régions, la région Centre et la région Île-de-France, six départements, le Loiret, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher pour la région Centre, la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines pour l'Île-de-France. Elle est à cheval sur deux bassins hydrographiques, le bassin de la Seine au nord et le bassin de la Loire au sud. Le BRGM. BRGM, c'est le Service géologique national, établissement public qui s'occupe de tout ce qui traite des sciences de la Terre, notamment des eaux souterraines. En région Centre, on réalise notamment des études pour améliorer la connaissance des nappes souterraines, les sens d'écoulement, la qualité des eaux souterraines, et également le suivi des nappes par le biais de piézomètres. On peut faire la manip sur cet ouvrage. Donc la manipulation qui consiste tout simplement à introduire la sonde, qui est relié à un câble avec une mesure donc au centimètre près, et on descend donc jusqu'à la nappe. Hein, c'est la surface de la nappe que l'on va mesurer. Là, on atteint 18 mètres et donc on se rapproche et normalement, voilà, on a la lumière qui apparaît quand on atteint, donc là je soulève légèrement pour vérifier précisément la profondeur et donc je mesure 18,95 m. Donc voilà le niveau de la nappe de Beauce ici sur le site du BRGM. Ma collègue est actuellement sur le site de Ruan pour vérifier le fonctionnement de la station de mesure piézométrique. Pour cela, elle va faire une mesure manuelle en immergeant une sonde électrique dans le forage pour vérifier la profondeur du niveau de l'eau et confronter cette valeur avec la valeur fournie par la centrale d'acquisition automatique. Oui, Sylvie. Très bien. Donc tu es à Ruan et tu as fait une mesure manuelle déjà ? 17,44. Bon, bah, écoute, je vérifie ça, je vais faire un appel station pour m'assurer que la liaison téléphonique fonctionne. Dans le cas présent, la mesure rapatriée, 17,44 m, correspond bien à la mesure réalisée sur le terrain. L'Adréal Centre est chargé du suivi des fluctuations des principales nappes de la région Centre, et plus particulièrement la nappe de Beauce. Les outils de suivi du fonctionnement du système, donc nappe et cours d'eau associés, s'appuient sur le réseau piézométrique, donc qui se compose de 50 stations de suivi en automatique et en continu des fluctuations de la nappe, et est complété par un réseau de stations de suivi du débit des principaux cours d'eau, dont une station sur la Conille, à Conille-Molita. La Beauce a la particularité ou la chance de disposer d'une station très ancienne. C'est une station qui est implantée sur le site industriel de la sécurité de Toury et qui nous donne des mesures piézométriques depuis le tout début du XXe siècle. Donc cette station a l'avantage de mettre en lumière effectivement le phénomène cyclique des fluctuations de la nappe de Beauce avec des périodes de très basses eaux et des périodes de très hautes eaux. Bon, les périodes de très basses eaux, on a celles bien connues des années 90, mais elle a été précédée par une situation de basses eaux extrêmes
au tout début du XXe siècle. À la différence près que ces niveaux de basse eau ont été atteints dans des conditions climatiques beaucoup plus critiques que celles observées au début des années 90, donc ce qui met en évidence l'incidence des prélèvements liés notamment au développement de l'irrigation en Beauce à partir des années 60. Cette période de sécheresse et ses conséquences sur les rivières de la Beauce ont été l'occasion d'une prise de conscience collective de la nécessité de mieux gérer cette ressource et notamment les prélèvements qui étaient associés. Cela a coïncidé avec la mise en place d'un premier dispositif de gestion volumétrique qui a été mis en œuvre à partir de 1998 et en parallèle a été lancé à partir de l'année 2000 l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La finalité du SAGE de la nappe de Beauce a été de fixer les règles de gestion des ressources en eau, donc de la nappe et des cours d'eau associés, pour les années à venir. Pour ce faire, il a mis en place un dispositif de gestion volumétrique des prélèvements agricoles pour l'irrigation. Et en cours de campagne, on va suivre le débit des rivières. Sur chacune des stations de référence, des 9 stations de référence, on a des seuils en débit, un seuil d'alerte, un seuil de crise. Et au franchissement de ces seuils, on va être amené à prendre en cours de campagne des mesures de limitation complémentaires qui vont prendre la forme de jours d'interdiction. On peut imaginer un grand réservoir qui occupe la Beauce et l'eau contenue dans ce réservoir est alimentée quasi exclusivement par les eaux de pluie. L'eau de la nappe émerge au niveau de ses sources et va alimenter les cours d'eau, le réseau d'eau de surface. On juge aujourd'hui du bon état d'une ressource d'eau souterraine sur sa capacité à alimenter correctement, notamment durant l'été, les milieux aquatiques superficiels et notamment les rivières. L'objectif étant d'assurer un débit suffisant dans ces rivières afin de garantir notamment les usages liés à la survie de la faune aquatique. Les usages qui entraînent des prélèvements dans la nappe de Beauce sont d'abord les prélèvements pour l'alimentation en eau potable. Ces prélèvements sont de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par an. Les prélèvements pour les usages industriels d'environ 30 millions de mètres cubes par an. Et enfin, les prélèvements pour l'agriculture, pour l'irrigation des cultures. Ils peuvent varier de 150 millions de mètres cubes par an en année plutôt humide et jusqu'à 400 millions de mètres cubes les années avec les printemps et étés les plus sèches, comme on a rencontré au début des années 90. Pour ce qui concerne les entrées dans le système, la nappe va se recharger sur une période qui s'étale de manière générale d'octobre à avril par les pluies efficaces. Ces pluies efficaces sont une portion des pluies qui tombent à l'automne et en hiver. Elles sont de l'ordre de 130 mm par an en moyenne, ce qui correspond, ramené à la surface de la nappe de Beauce, à un volume total d'environ 1,3 milliard de mètres cubes. La nappe de Beauce présente la particularité du fait de son caractère essentiellement libre, à savoir non protégé par des horizons géologiques relativement imperméables, présente la particularité d'être relativement vulnérable aux pollutions de surface. Le constat est fait aujourd'hui d'une dégradation de la qualité de l'eau. Un certain nombre d'actions sont mises en œuvre depuis de nombreuses années, d'abord de manière réglementaire, mais également après basées sur le volontariat, notamment au travers des mesures agri-environnementales. Les perspectives que nous annoncent les spécialistes du climat qui travaillent notamment sur le réchauffement climatique nous annoncent globalement des années moins arrosées avec des hivers plus doux et plus courts. Cela aura vraisemblablement pour conséquence de diminuer les volumes d'eau qui participent à la recharge de la nappe et également d'accentuer au cours des printemps et des étés les étiages des rivières. D'où l'intérêt dans les années à venir de pouvoir mettre en œuvre le dispositif de gestion volumétrique tel qu'il figure aujourd'hui dans le SAGE et de pouvoir l'expérimenter et de juger de son efficacité si nous étions amenés à être confrontés, comme par le passé, à des périodes de sécheresse accrue. Si on a des informations fiables sur les prévisions
en termes de changement climatique et en termes d'évolution de température, de précipitation, d'évolution des précipitations, on pourrait effectivement modéliser, savoir comment va évoluer la ressource. C'est-à-dire que d'une part, nous, on peut très bien poursuivre les recherches et avancer dans la compréhension et dans l'amélioration du modèle qui permet de représenter le fonctionnement de la nappe. Et en fonction des évolutions des recherches sur le changement climatique au niveau de la France, au niveau mondial, on pourra très bien intégrer ces éléments-là pour justement améliorer, faire des prévisions sur la manière dont va évoluer la ressource, quoi, la nappe de Beauce.